Bonjour à tous et bienvenue au Musée national du Groenland. Nous sommes ici à Nuuk, en escale pendant 24 heures. Nuuk, c'est la capitale du Groenland avec 15 000 habitants. Vous imaginez la taille des villes du Groenland. Ici, 15 000 habitants, c'est une très très grande ville. J'ai la chance de visiter ce musée du Groenland, de découvrir un peu plus cette civilisation inuite groenlandaise, cette civilisation du phoque qui ici a survécu, a appris à s'adapter à un environnement très hostile, a développé des outils, des bateaux pour aller chasser les phoques, a aussi développé un style de vie avec ses rites, ses coutumes, mais aussi ses dieux. Avant de reprendre la route, j'ai vraiment une pensée émue pour cette civilisation du phoque, ces Inuits que nous avons suivis, rencontrés depuis toute Koyaktouk au début de notre périple dans le passage du Nord-Ouest jusqu'ici à Nuuk, où nous quitterons le Groenland et donc la civilisation inuite pour retraverser la mer du Labrador et rejoindre le Québec et le Canada. Donc c'est vraiment la fin de cette rencontre avec les Inuits, une rencontre qui m'aura vraiment marqué, touché. Je ne m'attendais pas à voir en fait des villes déjà aussi développées, avec autant de technologies, et on sent bien que l'avenir de ce peuple inuit est vraiment tourné vers l'économie, vers la pêche, vers les mines, vers le tourisme, et que donc les images que vous voyez en ce moment de ces outils traditionnels sont vraiment maintenant du registre du passé. Donc je vous dis à très bientôt depuis Québec, puisque c'est la dernière navigation avant de remonter le fleuve Saint-Laurent, cher à Jacques Cartier et aux Malouins, et de retrouver Québec. Ce sera pour moi la première fois d'ailleurs. À bientôt.